bon, son activité qui était programmée depuis première semaine ou octobre. Problème yo, c'est pas seulement problème de criminalité, mais c'est problème dans ti moun qui a traversé l'école, dans moto, j'en ai parlé rapide, dans machine, besoin de gagner une présence de brigadiers pour accompagner la population scolaire là, dans le cadre de l'école. Là. Donc, c'est la raison ça qui fait un ministère de la Justice et de la Sécurité publique organiser formation ça, comme on s'est dit, capturer sous 3 jours. C'est renforcer la sécurité là, pendant la période de l'école. Là. Mais là, nous disons sécurité, ce n'est pas seulement question et protéger Timounio contre criminalité que nous connaissons, mais c'est surtout yon accompagnement le yon même, y a planté l'école, le yon sorti l'école, parents yon tout, surtout avec question de véhicules et de moto. Et c'est raison ça qui fait, et puis le ministère là, c'est quoi que li important à ce que gagne yon formation, yon atelier qui fait sous question ça. Brigadier sécurité publique existait, ça fait bien longtemps. C'est pas moi créé. L'homme vient là, moi réactivé. C'est pas moi créé. Il était toujours là. C'est réactivé que réactivé. Travail a plus que travail jeunesse avec sport là. Travail jeunesse avec sport là. Si vous comprenez bien, c'est seulement rentrer avec sortie. Alors que eux-mêmes, dans ça que y a fait, et si on dit que y a dit, y a surtout les fonds. Y a pas fait seulement travail scolaire là que moi-même, ou à mettre accent sur lui là, y a surtout les fonds. Y a là, côté par exemple, c'est une station d'autobus, y a présent pour assurer que ça a bien fait. Si axe là doit libérer, y a parlé avec le gouvernement libéré. Et ce n'est pas moi qui viens avec lui, il est là déjà. Eh bien, ce gouvernement, ça ne fait que réactiver. Même comprendre que vous êtes capable de consommer une duplication, mais ce n'est pas vraiment de la duplication. Qui disposition nous-mêmes, en tant qu'autorité, nous prenons dans le gouvernement pour nous voir un signal fort vers la population qui concerne la sécurité publique. L'être considéré depuis plusieurs semaines, en plus, on a couru dans AKR, dans Solino, à l'autre côté. L'initiative, ça, n'est pas seulement limitée avec centre-ville, n'est pas seulement limité avec le département de l'Ouest, n'est pas seulement limité avec l'aire métropolitaine. Mais on va comprendre que c'est une initiative qui demande une implémentation au niveau des villes de province, ça demande en plus d'infrastructures. C'est ça fait le ministère là lui-même, dans le budget 24-25 ans, il prévoit des directions régionales qui pour permettre que question ça soit adressée dans le Grand Nord, dans le Grand Sud, mais également au niveau de surface. Dans ce qui concernait zone Solino, Akaye, nous connaissons un gros défi que lié parce que depuis 17 octobre, on avalanche, surtout sur Solino. Heureusement, les policiers, yo vraiment aguerri, yo arrivé contenu sa cap fait au niveau de Solino. Et c'est pour nous comprendre que c'est une volonté arrêtée manifeste pour que le pays allait continuer déstabiliser. Parce que l'attaque qu'on apprend en règle pour ça sur Solino, c'est vraiment une planification. Au niveau de la carrière, tant bien que mal, la police arrive maintenant. Compte tenu de la situation, la police est présente, même genre au niveau de Solino, la police est présente, et n'a fait tout ça que nous connaissons, la police, les forces publiques ont fait tout ça que nous connaissons, Solino, pas de temps. Les policiers sont très déterminés, ils ont un support population, le gouvernement a porté tout ça gagné comme moyen. Bail, force de l'audio pour que Solino ne tombe pas parce que défi ça, et bien le gouvernement lui-même l'a bloqué. C'est presque dans tout pays, il y a une avalanche.
Maintenant, on va comprendre que Solino, dans le dernier moment, est bien une sorte de coalition qui est vraiment qui est très agissante. Donc, tout ça qu'a fait, tout, c'est des bagages qui planifient, c'est tout ça. C'est tout ça lié. Des attaques en règle comme ça, qui fait partie d'une planification. Ce n'est pas une spontanéité, c'est planifié. Le soir, il fait plus avancer. Nous coordonner, nous avancer, ça c'est une planification pour ne pas apprendre que son bagage est spontané. Donc dans nous, il y a vraiment des gens qui sont conseillés, il y a des stratégies qui définissent qui fait que nous sommes capables de résister jusqu'à présent.